Merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour voir Amélie Nothomb, qu'on ne va pas représenter. Je pense que tout le monde ici la connaît. Voilà. Auteur belge qu'on voit à chaque rentrée littéraire quand même. Là, c'est la 27e cette année. Oui, c'est dingue. Ah ouais. Non, mais oui, si, il faut le dire. Si, si. 27e roman. Du coup, aujourd'hui, on va parler des prénoms épicènes. Voilà, que vous avez pu vous faire dédicacer ou pas en haut. Et alors, c'est le 27e roman publié. Publié, puisque la vérité est bien plus grave. Je suis en train d'écrire le 94e. Et en vérité, les prénoms épicènes est le 91e. Oui, ça, c'est impressionnant quand même. Et à mon avis, c'est un phénomène qui ne va pas se calmer. Donc, pour notre plus grand plaisir. Ils sont cachés chez vous ? Ils sont chez moi dans des boîtes à chaussures. J'ai déjà été cambriolée plusieurs fois. Les voleurs ont tout pris, mais pas les boîtes à chaussures. Je pense qu'ils ne savaient pas qui ils cambriolaient. Je pense aussi. Bon, alors du coup, pour qu'on parle un peu du roman, qu'on explique d'abord le titre, les prénoms épicènes. Oui. Donc épicènes. Les prénoms épicènes, c'est les prénoms que rien ne différencie au masculin et au féminin. C'est-à-dire que quand on vous présente la personne, vous ne savez pas du tout si vous avez affaire à un homme ou une femme, aussi longtemps que vous n'avez pas rencontré la personne, bien évidemment. Je me suis toujours demandé quel effet ça faisait de porter l'un de ces prénoms qui sont très communs. Tout le monde connaît un Claude, tout le monde connaît un ou une Dominique. Je me suis toujours demandé si c'était une richesse de s'appeler comme ça, ou si c'était au contraire un fardeau. Ce que j'ai constaté, c'est que vous savez que je corresponds énormément avec mes lecteurs, et ce que je constate, c'est que quand je reçois une lettre d'une personne qui porte un prénom épicène, presque toujours, ces personnes sèment le doute, font en sorte qu'aucun participe passé ne permette de les identifier comme homme ou comme femme. Et ce petit manège a tendance à durer pendant plusieurs lettres, et quand au bout de plusieurs lettres, je finis par poser la question, mais excusez-moi, est-ce que vous êtes un homme ou une femme ? Eh bien, très souvent, la réponse est devinée. Sinon, c'est pas drôle. Oui, et bien évidemment, on ne devine jamais. Alors du coup, épicène, c'est aussi un prénom. Épicène est un prénom et probablement le plus épicène de tous les prénoms épicènes. Je ne l'ai pas inventé. C'est un dramaturge contemporain de Shakespeare qui s'appelle Ben Jonson qui avait appelé l'une de ses héroïnes épicène, et c'était même le titre de sa pièce. Épicène, une femme silencieuse. C'était un texte très, très parodique sur l'épouse parfaite. Et c'est un peu l'équivalent de l'école des femmes en version élisabéthaine. Et l'épouse parfaite, qui s'appelait Épicène, s'avérait, à la fin de la pièce, être un homme. Donc, voilà, la femme parfaite est un homme. Alors, pourquoi avoir choisi de faire d'Épicène une femme, ici ? C'est vrai qu'elle aurait pu être un homme, mais il était ici question de la haine d'un père. J'ai déjà écrit sur un fils détesté par son père. Je n'avais pas encore écrit sur une fille détestée par son père. C'était l'un des grands thèmes du livre, quand même, c'était ça. C'était une haine entre un père et sa fille. Et c'était pour moi important qu'elle s'appelle Épicène parce qu'il paraît, ce n'est pas du tout une situation que j'ai vécue, mais il paraît que quand une fille, une petite fille, n'est pas aimée par son père, il paraît qu'elle a beaucoup de mal à s'identifier comme femme. Donc, elle devait s'appeler Épicène. D'accord. Et d'ailleurs, c'est un thème que vous avez déjà abordé dans votre précédent roman, c'était « Frappe-toi le cœur ». Sauf que là, c'était une petite fille qui était détestée par sa mère. Et ça donnait un résultat absolument différent. Mm-hmm. Puisque pour ce que j'ai pu voir, j'ai rencontré beaucoup de petites filles, de jeunes femmes qui étaient détestées par leur mère. Ça donnait un type de femme bien particulier, très différent des femmes qui sont détestées par leur père. Pour ce que j'ai pu voir, les femmes qui étaient détestées par leur mère ne s'autorisaient pas à détester leur mère en retour. Et était victime d'une terrible jalousie. Tandis que les femmes qui sont détestées par leur père s'autorisaient pleinement à détester leur père en retour, ce qui fait que la passion qui les animait était la vengeance. C'est ce qui fait que les prénoms épicènes est pour moi le roman de la vengeance, qui est un thème fascinant que j'ai toujours voulu aborder. J'attendais une bonne occasion. Le voici. Oui, d'ailleurs, ce thème-là, on le sent tellement... La vengeance, elle est élaborée tout du long du livre, et ça, oui, fait un peu penser au conte de Monte Cristo. Comme vous me faites plaisir, ça c'est vrai. Évidemment, le plus grand roman consacré à la vengeance et que j'ai lu quand j'étais petite, c'est le conte de Monte Cristo.
À la fois, c'est extraordinaire, à la fois, c'est terrible. Je me souviens que la première fois que je l'ai lu, j'avais 11 ans, j'étais absolument fascinée, et à la fois, je ne comprenais pas. Je me dis, mais je ne comprends pas ce type, il a passé 20 ans en prison suite à un truc horrible. Il sort de prison, il est enfin libre, il trouve un trésor, donc il est riche, il pourrait faire quelque chose de magnifique de sa vie. Eh bien, non, il préfère consacrer tout le temps qui lui reste à se venger. Mais comment est-ce possible ? Bon, mais ça, c'est la réflexion d'un enfant de 11 ans. Après, on vieillit, on est soi-même situé. On ne peut pas atteindre l'âge adulte sans connaître au moins une fois une situation où on a très sérieusement envie de se venger. Bon, personnellement, je ne suis jamais passée aux actes. Mais je comprends le désir de vengeance. C'est un truc qui existe. C'est trop facile de dire « Ah non, mais moi, je ne vais pas me venger parce que je suis gentille. » Bon, je ne le fais pas, mais je peux comprendre la personne qui est animée par ce feu. Et je me suis demandé comment trouver des gens assez opiniâtres dans leur colère, dans leur haine, pour maintenir une vengeance sur un si long terme, parce que bien évidemment, la vengeance qui nous plaît, la vengeance qui nous intéresse, c'est celle qui se mange froid, c'est celle qui s'élabore pendant 20 ans. Et je me suis dit, mais dans le Finistère, alors je n'ai fait aucune étude sur les vengeances dans le Finistère, mais je me suis demandé où trouver des gens assez obstinés, assez opiniâtres pour nourrir des sentiments aussi longs, j'ai pensé que c'était vous. Oui, parce que le roman commence à Brest et finit à Brest. Mais oui, alors après de longs détours géographiques par Paris, mais tout commence à Brest et tout se termine à Brest, ce qui est quand même extraordinaire de la part d'une personne qui en tout et pour tout a passé, est en train de passer son troisième après-midi à Brest de toute sa vie. D'accord. Alors, pour resituer, des fois que tout le monde n'ait pas lu le livre ou que ça vous donne envie de le lire, à la base, c'est Dominique à Brest qui va rencontrer Claude. Ils vont tomber amoureux. Ils vont monter à Paris pour trouver un travail et ils vont avoir une fille qu'ils vont appeler Épicène. Et là, Claude n'aime pas sa fille. Claude n'aime pas sa fille et c'est même incompréhensible. C'est même plus grave que ça. Il la déteste. Et le lecteur est atterré en disant « Mais pourquoi est-ce que ce père déteste cette adorable petite fille ?» Et il faut beaucoup de temps pour comprendre pourquoi il la déteste. Et bientôt, on va comprendre que c'est l'histoire de deux vengeances. Claude veut se venger, on ne sait pas très bien de qui, on ne sait pas très bien de quoi, mais sa femme et sa fille sont l'instrument de sa vengeance. Et très vite, la petite fille veut tout simplement se venger de son père. Elle se dit « Mais ce type est un salaud, mais il ne m'aime pas. Mais il n'aime pas ma mère, mais ça ne va pas se passer comme ça. Un jour, je le tuerai. » Et donc, ces deux volontés de vengeance et de mort, parce qu'il s'agit, c'est pas des gentilles petites vengeances, hein, c'est des gens qui veulent se tuer. Ces deux volontés de se tuer qui s'affrontent, on ne vous dira pas qui gagnera. Et donc, Épicène se rend compte à 5 ans, à peu près, que son père ne l'aime pas. Oui. Et ça, ce n'est pas pour elle, à 5 ans, ce n'est pas pour elle une tragédie. Elle se dit, mais mon père ne m'aime pas, mais c'est pas grave. Je l'aime pas non plus. Voilà, je l'aime pas non plus et ça ne lui pose pas de problème. En même temps, elle est très diplomate. Elle comprend que sa mère aime son père. C'est ça qui est la situation la plus troublante. Elle aime sa mère l'aime et elle voit que sa mère est amoureuse de son père. Elle comprend tout de suite que sa mère a tort d'aimer ce type qui ne l'aime pas et tout, mais qu'il faut ménager la susceptibilité, la sentimentalité maternelle. Donc, elle navigue en eau trouble au milieu de tout ça. C'est toujours ma grande position dans tous mes livres, c'est que les petits-enfants ont tout compris. Ils savent déjà quelles attitudes ils doivent adopter. Les grandes erreurs de la vie, c'est rarement avant l'âge de 5 ans qu'on les fait. C'est plus tard qu'on devient bête. Est-ce que ce qui fait sa force, c'est qu'elle est... Alors, elle va d'abord se dédier dans un premier temps à détester son père d'une façon formidable, mais ça va un peu la bouffer quand même dans le livre à la fin. Détester quelqu'un, c'est rarement une grande force dans la vie. Je pense que ce qui sauve Épicène, c'est qu'elle aime sa mère. Et que sa mère l'aime. Elle a une bonne mère qui l'aime vraiment. Donc elle se construit uniquement à partir de l'amour maternel. C'est mieux que rien. C'est mieux si vos deux parents vous aiment, mais à défaut, si vous n'avez qu'un seul de vos parents qui vous aime, c'est mieux que rien. Et elle le comprend instinctivement. Jusqu'à l'adolescence, ça se passe plutôt bien. Et Épicène elle-même se dit « Mais pourquoi est-ce qu'on pense qu'un père, c'est important ?
je m'en fiche, moi, de mon père, je peux très bien grandir sans lui, ça va très bien. C'est à l'adolescence que ça se gâte, parce qu'en vérité, un père, c'est très important, mais généralement, c'est à l'adolescence qu'on commence vraiment à s'en rendre compte. Et elle perd le soutien de sa mère un peu aussi. Oui, parce que... Absorbée par son père. Le père est tellement machiavélique qu'il voit ce qui se passe entre sa fille et sa mère, et il entretient un jeu de séduction avec sa mère pour l'éloigner de sa fille. Et la pauvre Dominique, qui est naïve, amoureuse, simple, complexée aussi, se laisse complètement manipuler par cet homme jusqu'au moment où, bien sûr, où aura lieu la fameuse scène qui lui ouvrira les yeux. Je voudrais qu'on revienne sur une scène du début. Oui. C'est au moment où Dominique comprend qu'elle est amoureuse de Claude, que je trouvais absolument horrible. C'est la scène avec le parfum. La scène du parfum. Vous avez raison, c'est une scène horrible. Oui. Alors pourquoi le Chanel numéro 5 ? Mais parce que c'est un filtre d'amour. Enfin, nous sommes ici en Bretagne, vous connaissez la puissance des filtres d'amour. C'est vrai, ça marche. Bon, pour moi, le filtre d'amour le plus efficace a toujours été le champagne. Mais je suis consciente qu'il en existe d'autres. Et je suis absolument fascinée par les parfums. Et j'aime beaucoup fréquenter les parfumeries, non seulement pour flairer de nouveaux parfums, mais aussi pour voir ce qui s'y passe. Et en fait, ce qui s'y passe, les trois quarts du temps, est absolument sordide. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que le parfum ? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'offrir, de choisir un parfum pour la femme ou l'homme qu'on aime ? Ça devrait être le cadeau d'amour absolu. Et parfois, ça l'est. Mais très souvent, ça ne l'est pas. Regardez ce qui se passe dans les parfumeries. Les trois quarts du temps, quand on voit un homme qui achète du parfum à une femme, mais c'est un cadeau tape à l'œil. Il choisit... le parfum le plus cher, avec l'emballage le plus pompeux, il s'en fiche de l'odeur, c'est simplement pour faire de l'effet. Et il se dit, elle sera assez godiche pour marcher. Et le pire, c'est que ça marche très souvent. Et c'est exactement le cas de figure que je prends. Je prends ce parfum mythique entre tous, qui est un des plus beaux parfums qui ait jamais existé. Chanel numéro 5, qui sent le cuir de Russie, qui est vraiment, pour moi, le plus beau parfum qui existe. Par définition, offrir ce parfum ne peut être qu'un acte d'amour. Et cet acte d'amour, il le dévoie. Il voit très bien que ce cadeau va épater une pauvre petite provinciale. Et il demande un emballage pompeux. Et c'est exactement ce qui se passe, parce que Dominique reçoit Chanel numéro 5. C'est la première fois de sa vie qu'elle reçoit un parfum. Elle se cache dans sa salle de bain. Elle le respire. Elle se dit, oh, mais c'est tellement magique, ce parfum. Cet homme même, sinon il ne m'offrirait pas un parfum pareil, alors que ça n'a rien à voir avec tout ça. Et vraiment, en vérité, il s'achète un parfum comme il achèterait une femme, et c'est exactement ce qui se passe, et elle tombe dans le piège, elle respire le filtre d'amour, elle est possédée. On peut dire qu'elle est possédée par le parfum sans même voir que c'est du parfum qu'elle est amoureuse, et pas de cet homme qui est un homme épouvantable. C'est horrible, parce qu'avant ça, elle dit qu'elle ne le sent pas. C'est ça. Et paf, le parfum, et là, ça va mieux. Mais oui, donc méfiez-vous. C'est horrible. Mais quand quelqu'un vous offre du parfum, parfois, c'est un très beau cadeau. Pas forcément. Alors, je voulais vous demander aussi, est-ce que c'était voulu... Parce que, alors, dans votre livre, vous parlez pas mal de comment bien montrer qu'on a réussi à Paris, quelle rive il faut habiter, quelle rue il faut habiter. Est-ce que c'était voulu, le moment où... Parce que le changement de rive pour Epicène, c'est un moment crucial. Bien sûr. Et est-ce que c'était voulu le superbe parallèle entre Épicène et Orphée par-dessus bien sûr, c'est absolument la scène qui se serait mais ce serait Épicène, bien sûr qui passe par-dessus la scène. Ouais. C'est l'Orphée de la scène, c'est Épicène. Bon, vous connaissez tous Orphée. Orphée est le seul être humain à avoir pu franchir le fleuve des enfers qui n'est pas la scène mais qui est le Styx et à avoir pu en revenir vivant. Ce n'est pas pour moi pas un hasard si c'est un poète, seul le poète a ce pouvoir. Bon, là, vous avez très bien vu, c'est pas le Styx, c'est la scène. Entre parenthèses, vous êtes la première à l'avoir vue. Merci, Claire. Donc, Épicène est celle qui passe au-dessus de la scène, mais la scène vue vraiment comme le Styx. Et elle meurt. Ça coïncide avec le commencement de son adolescence. Oui, elle se compare avec le Sélacanthe. Elle se compare avec le Sélacanthe, c'est-à-dire qu'elle ne meurt pas vraiment. Elle fait comme le Sélacanthe. Le Sélacanthe est ce poisson des abysses qui a ce pouvoir de se mettre en état de mort biologique pendant un nombre d'années infini, aussi longtemps que les conditions de sa vie ne sont pas réunies. Et dès que les conditions de sa vie sont réunies, température, nourriture, etc., il ressuscite. Voilà un pouvoir que nous voudrions tous avoir.
Mais souvent, enfin, je ne sais pas comment vous avez vécu votre adolescence. Moi, j'ai vécu mon adolescence comme ça. Je me souviens, je trouvais ça tellement horrible d'être adolescente que je m'étais mise en situation de sélacante. C'est-à-dire que je fonctionnais, quoi. J'allais à l'école, je parlais pas, j'étais à peine vivante. Donc, un miracle a voulu que je ressuscite quelques années plus tard. Est-ce que l'écriture a été une partie de ce miracle ? L'écriture a certainement fait partie du miracle, mais il ne suffit pas de commencer à écrire. Commencer à écrire, c'est très difficile. Il faut des années pour que ça commence à ressembler à quelque chose. Il faut s'obstiner. Beaucoup de jeunes que je rencontre veulent devenir écrivains. Ils me demandent tous comment on fait. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut s'obstiner. C'est très difficile. Hygiène de l'assassin, qui est mon premier roman publié, est en fait le 11e que j'ai écrit. Si Hygiène de l'assassin ressemble à quelque chose, c'est probablement parce que j'ai écrit 10 manuscrits probablement ratés auparavant. Donc, il n'y a pas de secret. Si vous voulez devenir écrivain, soyez extrêmement patient, parce que c'est très difficile et ça prend beaucoup de temps. Comme des études de médecine, par exemple. Oui, ça... D'ailleurs, en parlant de médecine, j'ai pensé à vous, parce qu'en ce moment, j'étudie la psychiatrie. Et... Je comprends, le lien est évident. Non, pas dans ce sens-là. Non, c'est juste que dans le livre de psychiatrie, sur le chapitre sur les addictions, j'utilise le verbe to crave. Ah, mon Dieu. Pour décrire cette sensation-là. Il paraphrase autour de l'addiction sur 3 paragraphes. Et on arrive sur le mot to crave. Le mot qu'Épicène utilise pour se définir. Il n'y a pas de verbe plus fort pour dire le besoin que le verbe anglais to crave. Et Épicène veut devenir. Elle devient ce verbe-là. Elle ne sait même pas de quoi elle a besoin. Elle a tellement manqué, tout simplement, d'amour. Qu'elle est dans, elle n'est plus que ça. Elle s'en sort, mais on ne sait pas très bien comment elle s'en sort. Hein, et on ne connaît pas la suite du roman, moi non plus. Concernant la citation un peu directrice du livre, la personne qui aime est toujours la plus forte. Est-ce qu'on peut la nuancer un petit peu dans la mesure où Claude, c'est une des personnes qui a le plus aimé dans le roman, mais c'est quand même le grand vaincu à la fin. Oui, mais parce que ce qu'il appelle aimer est vraiment abominable. Oui. Claude, au début du roman, se fait larguer, il n'y a pas d'autre mot, par la femme qu'il aime, une femme qu'il aime passionnément. Bon, c'est horrible. Franchement, c'est arrivé à presque tout le monde. Moi, je me suis déjà fait larguer, honnêtement. Mais lui, il se fait presque congédier. Oui, mais vous savez, il n'y a pas de belle façon de le faire. Quand ça vous arrive, c'est toujours la fin du monde. Et lui, au lieu de souffrir un bon coup, décide de se venger. Il voit qu'il n'a que deux, il y a que deux possibilités devant lui. Soit connaître les affres du désespoir, soit connaître la haine. Et il fait le choix qui me semble le mauvais, c'est-à-dire qu'il choisit la haine. Quand on souffre un bon coup, ça dure quelque temps, il ne faut pas se le cacher, mais on en sort toujours. Quand on choisit la haine, on n'en sort jamais. Et il choisit la haine et il choisit la vengeance. Donc, le choix amoureux qu'il fait, bon, je comprends, hein, mais c'est pas... Ça vient un moment où ce n'est plus du tout de l'amour. Ce n'est vraiment plus que de la haine. Alors, on sait bien, évidemment, que l'amour et la haine sont proches. Pour autant, faut-il faire un choix aussi radical que le sien ? Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas en situation de force. Pour moi, la vraie amoureuse du livre, c'est Dominique. C'est sa femme qui aime ce type, qui est un salaud, mais elle l'aime en dépit de tout. Et un jour, sa fille lui dit « Mais tu sais, c'est toi qui es forte, parce que c'est toi qui l'aimes. » C'est-à-dire que c'est exactement le contraire de ce qu'on nous a toujours appris. On nous a toujours appris que quand on aimait, on était foutus. Que aimer était une situation de faiblesse fondamentale, qu'il fallait évidemment cacher ses sentiments, parce que quand on aime, on va se faire avoir. Je pense exactement le contraire. Bien sûr, aimer est un énorme risque. C'est la plus grande prise de risque que l'on puisse faire. Et en même temps, c'est une situation de force extraordinaire. Parce que quand on aime vraiment quelqu'un, d'abord, ça n'arrive pas souvent d'aimer vraiment quelqu'un. Quand on aime vraiment quelqu'un, on est animé d'une force exceptionnelle. Et je pense que Dominique est comme ça.
elle a l'air d'une femme faible, mais elle n'est pas faible. C'est vraiment, c'est finalement, c'est elle le grand personnage du livre. C'est elle qui aime jusqu'au bout. Et à la fin, elle a droit à une espèce de récompense qui lui tombe du ciel. Mais c'est, je pense que c'est comme ça que ça se passe. Quand on aime de façon absolue, même quand on aime le plus parfait des salauds, et quand on ne contredit jamais son amour, bizarrement, les choses tournent bien. C'est très beau comme morale. Mais vous voyez, finalement, j'écris des romans qui ont une très belle morale. Personne ne s'en serait douté, mais si. Bon, je vois qu'on approche un petit peu de la fin. Alors, ça, c'est une façon de me dire un dernier vers, Madame Nothomb. Non, mais non. Est-ce qu'il y a une question que vous attendez, qu'on ne vous pose pas, mais que vous aimeriez bien qu'on vous aimeriez bien? Ah non, avec la scène, vous aviez déjà tout trouvé, là. Franchement, personne ne m'avait encore dit ça. Il a fallu que je vienne à Brest pour qu'on me parle enfin de la scène. C'est dingue. Mais vous aimez la mythologie aussi? Bon, oui. Bon, moi aussi. C'est pour ça. Voilà. Bon, alors, du coup, il est... Mais nous accueillons bien évidemment les questions du public, s'il y en a. Ben voilà. Est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions maintenant? Oui, je veux bien. Oui, je vous donne le micro. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Je voulais vous demander, est-ce que Épicène, à votre avis, a une chance d'être une femme heureuse? C'est une sacrée question que vous posez là. Parce que je me fais beaucoup de soucis pour elle. Vous avez raison. Mais vous avez raison. C'est un peu comique ce que je dis, mais bon, je l'ai beaucoup aimé. J'ai c'est un très beau personnage. Merci pour ce livre, madame. J'ai beaucoup aimé Épicène. Et voilà, je me dis, il faut absolument qu'elle accepte l'aide, je ne sais pas, d'un psychologue, d'un, je ne sais pas, ou tout à fait autre chose, ou d'un sorcier, d'un guérisseur. Elle va détester les hommes. Ça ne doit pas être facile d'être Épicène. J'ai des amis psychologues ou psychiatres m'ont écrit pour me dire que ce que vit Épicène est très dur, qu'ils ont connu de tels cas, et qu'une fille qui est à ce point détestée par son père a forcément des épisodes très, très, très durs dans sa vie. En même temps, nous savons tous que la résilience existe. C'est-à-dire qu'on peut vivre le pire, et même pire que ce qu'Épicène a vécu. On peut vivre bien pire que ce qu'Épicène a vécu, et connaître, voilà, on peut toujours s'en sortir. Personne n'est condamné. Donc, c'est difficile pour Épicène, mais elle n'est pas condamnée. Je pense qu'elle a énormément de ressources. Elle l'a déjà prouvé. C'est une jeune femme qui a compris énormément de choses, qui est très forte. Puis le reste lui appartient. À la fin du livre, elle a 25 ans. Tout est possible. C'est pas gagné, mais tout est possible. Puis la vie, nous la connaissons. Tout dépend de qui nous rencontrons. Tout à fait. Elle n'est pas à l'abri d'une bonne rencontre. Pourquoi Brest ? Alors, pourquoi Brest ? Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Je me disais que la ville où je pouvais trouver des gens assez opiniâtres et assez obstinés dans leurs sentiments, que ce soit l'amour ou la haine, la ville où je pouvais rencontrer des gens qui aimaient ou haïssaient contre toute logique et contre tout espoir pendant plus de 20 ans, c'était Brest. Voilà. Et le gâteau Paris. Ah oui, alors ça, je connais évidemment beaucoup mieux le gâteau Paris-Brest que la ville de Brest. Mais je suis venue en avion et je me suis rendu compte qu'en avion, ça dure 50 minutes, il n'y a pas moyen de manger un Paris-Brest. Puisqu'il nous reste un peu de temps. Oui. Vous prenez beaucoup, beaucoup de temps pour écrire chaque jour. Ah, mon Dieu. J'écris tous les jours mon roman pendant 4 heures. Et puis les jours ouvrables, donc 5 jours par semaine. Je me rends chez mon éditeur pour lire mon courrier et y répondre. Donc j'ai calculé que bon, les jours ouvrables, je fais le geste d'écrire 9 heures par jour. C'est beaucoup. Je n'ai pas d'ordinateur, je ne cherche pas à en avoir un, j'écris tout à la main. Donc, je crois qu'on est forcé de penser que j'ai une main droite relativement musclée. Certainement. Voilà, je reçois un très important courrier de mes lecteurs. Je vois ici plusieurs coupables de ce courrier. Et c'est un bonheur absolu. Mais ma connaissance des Brestois, ma connaissance des Finistériens,
C'est de là qu'elle me vient. Je le répète, c'est mon troisième après-midi de ma vie à Brest. Ça ne constitue certainement pas une connaissance des habitants d'ici. Mais d'avoir correspondu avec quelques Finistériens, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à explorer dans cette région. Ah, d'ailleurs, j'ai une collègue tout à l'heure qui m'a dit que vous utilisiez certains mots pour décrire Brest. Un patelin avec sa petitesse d'esprit. Oh non, mais alors ça, c'est quand Épicène est dégoûtée. Après ça, quand quand Dominique est dégoûtée. Mais après, quand elle revient à Brest 20 ans plus tard, au contraire, elle est folle de bonheur de retrouver sa ville. C'est vrai. Donc non, non, c'est clairement une ville, un livre à la gloire de Brest. Merci. Vu la concentration de chauvins dans la salle, il vaut mieux dire ça. Une question, oui. Oui, bonsoir, Madame la Baronne. Bonjour. je voulais juste savoir, je suis arrivée, excusez-moi, un petit peu tardivement, peut-être déjà avez-vous répondu à cette question. Et vous, quelle sorte d'amoureuse êtes-vous ? Ah, mon Dieu. En tout cas, pas une amoureuse qui se venge. Là encore, comme presque tout le monde, je me suis déjà trouvée en situation de me venger. Je ne l'ai jamais fait. Je ne jette pas la pierre à ceux qui le font. Je peux comprendre la tentation. Voilà, je suis une amoureuse absolue. Et à ma façon, très fidèle. C'est-à-dire que, voilà, ça dure et je ne vois pas de raison que ça ne soit pas pour toujours. Quand on aime vraiment, c'est forcément pour toujours. Oh, je suis très touchée de vos applaudissements. Merci d'avoir poussé jusque Brest. Mais oui, alors oui, franchement, ce n'est que la deuxième fois que je viens chez Dialogue. Et la dernière fois, c'était en décembre 2009. Il y avait beaucoup de monde, mais honnêtement, il n'y avait pas autant de monde qu'aujourd'hui. Là, je suis extrêmement impressionnée. Mettez-vous à ma place. Heureusement que j'ai un verre de champagne comme bouclier. Ça me protège beaucoup. La dernière fois que je suis venue, mais vous étiez encore trop jeune pour me présenter. Très certainement. La prochaine fois, vous serez un médecin officiel et vous me soignerez pour délirium tremens. Mais non. Je suis médecin dans 7 ans. Hein, donc on a le temps. 7 ans ouais. Quoi, ça dure si longtemps que ça? Ça dépend de l'aspect, mais c'est long. Oh mon Dieu, quel du coup, courage. On n'en est pas encore quel là. Quel courage. D'ailleurs, on en parlait avec votre lectrice tout à l'heure. Frédéric. Voilà, on en parlait avec Frédéric, on voyait que toutes vos fonctions physiologiques étaient comme toutes réduites pour vous dédier entièrement à l'écriture, pour ce qui est de dormir, de manger. C'est vrai, c'est vrai que l'écriture prend de plus en plus de place. Je suis en mutation biologique constante. Vous n'imaginez pas à quel point c'est vrai. Là, il y a deux jours, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je me suis découvert une nouvelle fonction biologique que je suis capable de dormir debout. C'est-à-dire que je dors de moins en moins, parce que j'ai toujours été très insomniaque, et puis l'écriture me prend de plus en plus de temps, etc. Moralité, j'ai des moments de grande fatigue. Mais mon corps se perfectionne, je suis dans le métro, tout à coup, je m'endors debout. Je ne suis pas encore comme les Japonaises, je ne me réveille pas à ma station. Donc j'espère que je vais peu à peu acquérir le mécanisme biologique qui me permettra de me réveiller à la station. Merci pour aujourd'hui. Merci Claire. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Je voulais savoir ce qui fait votre optimisme, votre gaieté, votre joie et votre amour, finalement, pour vos lecteurs. Écoutez, comme j'ai raison, quand je vous rencontre, même brièvement, c'est vrai que la plupart d'entre vous, je ne vous ai rencontré que brièvement, ce qui se passe est extraordinaire. Je ne peux pas prétendre vous connaître, mais il se passe quelque chose de très fort.
je reçois énormément. Je reçois de vous une charge d'amour phénoménale. Comment pourrais-je être morose en recevant tout ça ? Par ailleurs, parfois, ça se prolonge, n'est-ce pas ? Nous correspondons. Et il se passe, alors, quand nous correspondons, il se passe des choses encore plus formidables. Parce que c'est là que je vois que ce qui se passe de façon fugitive en dédicace peut prendre une ampleur extraordinaire et peut être étayé par mille choses, des chemins de vie absolument différents qui fait qu'on a tellement de choses à se dire. Et là encore, il n'est pas question que de bonheur. Souvent, les gens se confient à moi pour me dire qu'ils ont eu une vie terrible. Et pourtant, de partager tout ça, il en est quelque chose de très fort. Il en est des amitiés puissantes et finalement de vraies raisons d'espérer. En plus, à une époque où on dit tellement que la littérature est morte. Ah ben, si la littérature est morte, qu'est-ce que vous faites tous là, quoi ? Quand on voit les choses dans les journaux, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de raisons d'espérer. Quand on les expérimente soi-même, mon Dieu, toutes les raisons d'espérer qu'il y a. Elles sont généralement plus individuelles, elles sont moins visibles, mais elles sont tout aussi vraies, certainement beaucoup plus vraies que ce qu'on nous montre dans les médias. J'étais mille fois plus désespérée à 18 ans que je le suis maintenant. À 18 ans, ça me paraissait vraiment très dur. C'est à ce moment-là que je me demandais quelles raisons d'espérer il pouvait y avoir. Pourtant, nous vivions apparemment une période moins tragique qu'aujourd'hui. Eh bien, je vois mille fois plus de raisons d'espérer aujourd'hui, alors que nous vivons clairement une époque grave. Mais parce qu'individuellement, il existe tellement de choses qui donnent des raisons d'y croire. Ne vous fiez pas trop à ce que vous voyez dans les journaux. Les journaux ont quand même une façon de montrer le monde qui, en effet, ne donne pas beaucoup d'espoir. Le monde est mieux que ça. Bien sûr. Il veut poser une question. Ah ouais ? Je fais le monsieur avant ? Merci. Je voulais demander, c'était quoi le livre dans lequel vous êtes... comment dire ? Vous êtes le plus inspiré d'un autre livre que vous avez lu ? Ah ! Ouh, c'est compliqué comme question. Tous, hein. Franchement, on n'est pas écrivain si on n'est pas d'abord lecteur. Je suis très lectrice depuis plus jeune que vous. J'écris avec tout ce que je suis, avec tout ce que j'ai vécu, mais aussi, bien sûr, avec tout ce que j'ai lu. Et il y a, nom d'un chien, aucune honte à ça. L'erreur, c'est de croire qu'écrire avec ses lectures est une mauvaise action. Mais c'est le contraire. Évidemment qu'on écrit aussi avec ses lectures. C'est un matériau qui m'a construite autant que tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Donc je pense que tous les livres que j'ai écrits s'inspirent eux aussi très profondément de tout ce que j'ai pu lire. Voilà, le dernier en date, eh bien, c'est ma version du Comte de Monte Cristo. Alors évidemment, ça donne un tout petit livre. Hein. Quand vous voyez le Comte de Monte Cristo, c'est beaucoup plus gros que ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Je n'ai pas le même volume qu'Alexandre Dumas. Il n'y a pas d'autre explication. Voilà, votre mission, si vous l'acceptez, jeune homme, c'est de lire le Comte de Monte Cristo. Je pense que vous êtes juste au bon âge pour le lire. Je vais essayer. C'est un livre génial. Je vais essayer. Ça me fera comme un marathon, mais version lecture. Super. Bonjour et merci d'être là, merci beaucoup. Merci. Moi aussi j'étais inquiet pour l'avenir de votre personnage, oui. Mais en fait je suis inquiet comme quelqu'un est inquiet pour l'avenir d'un personnage d'une série, quoi. Parce que votre personnage n'existe pas. Alors je veux dire, il n'existe pas vraiment, quoi. C'est une construction de vous à vous. Je voulais savoir quel est votre rapport finalement au personnage, quoi. Vous dites qu'il n'existe pas, vous réglez un peu facilement son sort. Je veux dire, c'est une construction, quoi. Il n'y a pas de réalité véritable, quoi. À supposer qu'il n'y ait pas une réalité véritable derrière ce personnage, j'ai une foi tellement profonde en l'écriture que pour moi, un personnage que j'ai écrit, mais à fond, mais de l'intérieur, mais il existe. Il existe. Et oui, je m'inquiète pour Épicène.
Je ne peux pas en dire plus. Les gens me disent, mais pourquoi vous ne en racontez pas plus pour... Je voudrais savoir ce qui lui arrivait à Épicène après. Je comprends, moi aussi, je voudrais savoir. Mais je suis un écrivain honnête, je ne dis que ce que je sais. Mes lumières sont brèves. Il y a un moment où tout à coup, je ne vois plus. Épicène, je l'ai vue de cet âge-là à cet âge-là, tout à coup, je la perds. Ça ne veut pas dire qu'elle ne m'importe plus, ça ne veut pas dire que je l'aime plus. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, elle vit hors de moi. Et que bien sûr je l'aime et que j'espère que ça va très bien se passer, mais que je ne peux pas tout faire. Je ne suis pas spectatrice de séries, mais je ne sais pas si les... Vous savez, le problème des séries, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'elles ne sont pas l'œuvre d'un seul auteur, elles sont l'œuvre d'équipes surdouées qui font du très très beau travail, et je suis bien mal placée pour en parler. Mais le rapport est tellement plus faible. Moi, je fais tout toute seule, donc mes personnages, évidemment qu'ils m'habitent. Et même si je suis humble devant eux parce que je ne maîtrise pas tous deux, croyez-moi que quand c'est terminé, à supposer que ça se termine, ils sont toujours là. Et je continue de m'inquiéter pour eux. Merci. Bonsoir, bonsoir madame. Bonsoir. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que je vous apprécie beaucoup. Merci. Non pas simplement comme lectrice, mais j'aime vous écouter parler de littérature. Et j'aime vous lire, tout simplement. Et je me disais, depuis le temps que je vous lis, que pour moi, vous étiez une conteuse. Une conteuse façon Perrault. D'ailleurs, je pense que ce n'est Merci. Pas un hasard si oui. vous avez adapté, vous avez retravaillé. Plus d'un conte de Perrault, oui. Voilà. Et je trouve qu'il y a ça en vous. Un certain classicisme, ce n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. Merci. Une façon d'écrire qui est extrêmement sobre, apparemment accessible. Et en fait, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus trouble que ça. Et c'est ça que j'aime chez vous, cette ambiguïté. Vous me faites immensément plaisir parce que Perrault est mon conteur préféré. Et j'ai lu les contes de Grimm, j'ai lu les contes d'Andersen, j'ai lu les contes japonais, j'ai lu d'autres contes encore, mais aucun conteur n'a autant de talent que Perrault. Enfin, aucun ne me plaît autant que Perrault. Et Perrault s'adresse à tous les âges. Ce n'est pas que pour les enfants. Perrault ne raconte pas de bêtises. Je vais vous donner un exemple frappant, le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge a été raconté par les frères Grimm et il a été raconté par Perrault. Ça donne deux histoires radicalement différentes. Raconté par les frères Grimm, quand le petit chaperon rouge se fait manger par le loup, les chasseurs arrivent et ouvrent le ventre du loup et sortent le petit chaperon rouge vivant. Et on lui dit, petite fille, tu dois faire attention désormais. Elle dit, oui, maintenant je comprends, je ferai attention. Quand Perrault raconte la même histoire, quand le loup mange la petite fille, eh bien, la petite fille reste mangée. Et ça se termine sur une pirouette, comme ça. Mais en même temps, c'est horrible. La petite fille est mangée. Et c'est comme ça. Ce que Perrault nous dit la vérité. Hein. Les petites filles sont mangées. Et la moralité. Et la moralité, c'est qu'il faut faire attention. Parce que quand on est mangé, c'est pour toujours. Oui, tout à fait. Et je trouve ça bien parce qu'on ne ment pas aux enfants, on ne ment pas aux adultes non plus. On dit, voilà, si... Faites attention parce que des monstres existent. C'est vrai, bien sûr que les monstres existent. Et en même temps, il montre les choses dans toute leur réalité tragique, mais avec une telle élégance que même la pire tragédie nous est montrée avec une pirouette. À savoir, la vie est atroce, mais ce n'est pas si grave. Et aussi, ce que Perrault suggère, parce que bon, le petit chaperon rouge est vraiment un conte horrible. Hein. Oui. Tous les contes ne sont pas aussi horribles que le petit chaperon rouge. Dans d'autres contes, tels que Barbe Bleue, tels que Riquet à la Houppe et d'autres encore, Perrault suggère que, oui, la réalité est horrible, mais avec un peu d'astuce, on s'en sort. Donc, voilà, le salut, c'est d'être malin. Le salut, c'est d'être c'est plus... Ça. On peut toujours s'en sortir en étant malin, ce qui est exactement vrai. Quand on s'en sort, c'est qu'on est malin. Et la fin du petit chaperon rouge est étonnante parce qu'il se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Oui. Ça pourrait être une faute de français. C'est vrai que ça pourrait être une faute de français. C'est extraordinaire, cette phrase. C'est parce que le petit chaperon rouge est épicène, bien évidemment. Tout à fait. Merci. Merci pour ce moment. Merci, Claire. Votre formule est très ambiguë, vous en êtes consciente. Si vous recevez François Hollande, ne lui dites pas ça.
Mais non, c'était... Non, mais merci. On dirait vraiment que quand vous parlez de littérature, vous avez un supplément d'âme quand même qui vous donne une passion incroyable. Et c'est super à vivre. Écoutez, franchement, Claire, vous m'avez tellement bien interrogée que je me demande si vous allez être un très, très grand médecin. Ça, je n'en doute pas. Mais quelle perte pour la littérature. Je vais avoir un gros melon. Merci, Claire. Merci, Amélie.